Un cas d'hérésie à Cologne vers 1143. Il s'agit d'une lettre de Evervin, prévôt de Steinfeld, à Saint-Bernard, texte qui est tiré de la patrologie latine de Migne. Alors, trois étapes successives seront entreprises aujourd'hui. Dans un premier temps, je donnerai le texte en traduction française. Dans un deuxième temps, je reprendrai ce texte en latin. Et enfin, j'en ferai le commentaire. Traduction française. Récemment ont été découverts chez nous, près de Cologne, certains hérétiques dont certains, après réparation, ont fait retour à l'Église. Deux d'entre eux, celui que l'on disait leur évêque et son compagnon, nous tinrent tête dans une assemblée de clercs et de laïcs à laquelle assistait, avec de hauts personnages de la noblesse, le sire archevêque en personne. Ils alléguaient, pour défendre leur hérésie, des paroles du Christ et de l'apôtre. N'aboutissant à rien, ils proposent un débat où des experts les soutiendraient. S'ils sont vaincus, disent-ils, nous nous soumettrons. Mais le peuple se soulève et les brûle. Leur constance dans le supplice bouleverse Evervin. Je reprends le texte. Voici quelle est leur hérésie. Ils disent que l'Église réside chez eux seulement. Motif, ils sont les seuls à s'attacher au pas du Christ et à demeurer les véritables adeptes de la vie apostolique. Ne recherchant pas les choses du monde, ne possédant ni maison, ni champ, ni aucun bien. Ainsi le Christ, il n'a rien possédé, il n'a rien donné à posséder à ses disciples. Mais vous, nous disent-ils, vous entassez maison sur maison, champ sur champ, vous recherchez les choses de ce monde. Aussi même ceux qui, parmi vous, sont tenus pour les plus parfaits, comme les moines ou les chanoines réguliers, quand bien même ils ne possèdent ces biens qu'en commun, et non chacun pour eux, ils ne les possèdent pas moins tous. Quant à nous, disent-ils d'eux-mêmes, les pauvres du Christ, instables, fuyant de ville en ville comme des brebis au milieu des loups, nous souffrons persécution avec les apôtres et les martyrs. Nous menons pourtant, dans le jeûne et l'abstinence, une vie sainte et d'une grande sévérité, nous consacrant nuit et jour aux prières et à un labeur dont nous n'attendons que le nécessaire pour vivre. Mais si nous avons à supporter tout cela, c'est parce que nous ne sommes pas du monde. Vous, au contraire, adeptes du monde, comme vous êtes du monde, vous êtes en paix avec le monde. L'accès à la propriété a égaré l'Église, eux, de tout temps, s'en sont gardés. Je reprends le texte. Nos fruits, c'est de suivre le Christ. De leurs aliments, ils bannissent toute espèce de lait, ce qu'on fabrique avec le lait, et tout ce qui est enfanté d'un accouplement. Voilà ce que, dans leur genre de vie, ils nous opposent. Pour leur sacrement, ils les taisent. Ils nous ont pourtant avoué ouvertement qu'à leur table, chaque jour, quand ils mangent, à la façon du Christ et des apôtres, ils consacrent par l'oraison dominicale leur nourriture et leur boisson dans le corps et dans le sang du Christ, afin de se nourrir par là des membres et du corps du Christ. Ils disent que, dans nos sacrements, nous ne possédons pas la vérité, mais une illusion, une tradition d'origine humaine. Ils ont aussi avoué clairement que, en plus de l'eau, ils baptisent dans le feu et l'esprit, et qu'ils y ont été baptisés. Ils allèguent le témoignage de Jean-Baptiste. Quand tel baptême doit se faire par l'imposition des mains, ils se sont efforcés de le montrer d'après le témoignage de Luc. Quiconque, parmi eux, est ainsi baptisé, ils le disent élu, et pensent qu'ils possèdent le pouvoir de baptiser tous ceux qui en seront dignes, et celui de consacrer à sa table le corps et le sang du Christ. Pour commencer, en effet,
une imposition des mains, fait recevoir parmi les croyants celui qui appartenait au groupe de ceux qu'il nomme les auditeurs. Dès lors, il lui sera permis de participer à leurs prières jusqu'à ce que, après une suffisante probation, on le fasse élu. De notre baptême, ils ne tiennent pas compte. Ils condamnent le mariage, mais je n'ai pu en découvrir auprès d'eux la cause, soit qu'ils n'aient pas osé l'avouer, soit qu'ils l'aient ignoré. Notre région héberge aussi d'autres hérétiques. Ils sont en total désaccord avec les premiers, et ce sont leurs désaccords et leurs disputes qui nous les ont fait découvrir les uns et les autres. Ceux-ci nient qu'à l'autel soit fait le corps du Christ pour le motif que, dans l'Église, aucun prêtre n'est consacré. La dignité apostolique, en se mêlant des affaires séculières, s'est, disent-ils, corrompue. Ne combattant pas pour Dieu comme Pierre, le titulaire de la chair de Pierre, s'est dépouillé du pouvoir de consacrer qui fut donné à Pierre. Comme il en est dépourvu, les archevêques qui, dans l'Église, vivent selon le siècle, ne reçoivent pas de lui le pouvoir de consacrer. Pour affirmer ceci, ils se fondent sur les paroles du Christ. Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites ce qu'ils vous disent. Matthieu 28, 2, 3. Comme si aux gens, comme eux, avait été concédé seulement le pouvoir de parler et de commander, mais rien de plus. Ils annulent aussi le pouvoir sacerdotal de l'Église et condamnent les sacrements, à l'exception du seul baptême, restreint aux adultes, lesquels, disent-ils, sont baptisés par le Christ, quel que soit le ministre du sacrement. Ils n'ont pas foi dans le baptême des enfants en raison de ce passage de l'Évangile. Suit une citation de Marc 16, 16. Tout mariage, ils l'appellent fornication, sauf si les deux conjoints, l'homme et la femme, sont l'un et l'autre vierge. Ils n'ont pas foi dans l'intercession des saints, les jeûnes et autres pénitences pour les péchés. Ils affirment qu'ils ne sont nécessaires ni aux justes, ni même aux pécheurs. À quelque moment que le pécheur pleure ses péchés, ils lui sont tous remis. Quant aux observances de l'Église, toutes celles que le Christ et les apôtres à partir de lui n'ont pas instituées, ils les appellent superstitions. Ils n'admettent pas, après la mort, le feu du purgatoire. Aussitôt sortis du corps, les âmes, pensent-ils, passent pour toujours, soit dans la peine, soit dans le repos. D'où leur rejet des prières ou des offrandes des fidèles pour les défunts. Que saint Bernard se hâte d'agir, ces hérétiques sont, disent-ils, légions. Je reprends. Et retiennent également plusieurs de nos clercs et de nos moines. Ceux qu'on brûla, nous ont dit, dans leur défense, que cette hérésie était restée cachée jusqu'à notre temps, depuis le temps des martyrs, et s'était maintenue en Grèce et dans certaines autres contrées. Il s'agit ici des hérétiques qui se disent les apôtres et qui ont leur pape. Les autres rejettent notre pape sans pour autant avouer en avoir un autre à la place. Passons maintenant, en bonne pédagogie, au texte original, c'est-à-dire au texte latin. Il m'a paru essentiel, effectivement, de donner d'abord la traduction avant le texte pour mieux le comprendre. Nuper aputnos, iuxta coloniam, quidam aeretici delecti sunt. Quorum, quidam cum satisfactione ad ecclesiam redierunt. Duo ex eis, scilicet, qui dicebatur episcopus, eorum cum socio suo. Nobis restiterunt, et conventu clericorum et laicorum, praesente ipso domino archiepiscopo, cum magnis viris nobilibus, aeresim suam defendentes, ex verbus Christi et apostoli. Haec
Est aeresis illorum. Dicunt apud se, tantum ecclesiam esse, eo quot, ipsi soli vestigis Christi in aerant, et apostolicae vitae, ueri spectatores permaneant, et aquae mundi sunt non quaerentes, non domum, nec agros, nec aliquid peculium possidentes. Sicut Christus non possedit, nec discipulis suis possidenda concessit. Vos autem, dicunt nobis, domum domui, et agrum agro copulatis, et quae mundi sunt uius quaeritis. Ita etiam, ut qui, in ubis perfectissimi abentur, sicut monachi vel regulares canonici, quam vis haec, non ut propria, sed possident ut communia, possident tamen haec omnia. Decedicunt, nos pauperes Christi, instabiles, de civitate in civitatem fugientes, sicut oves in medio luporum, cum apostolis et martyribus persecutionem patimur, cum tamen sanctam en arctissimam vitam ducamus, in iejunio et abstinentis, in orationibus et laboribus, die ac nocte persistentes, et tamtum necessaria ex eis vitae quaerentes. Nos hoc sustenemus, quia de mundo non sumus, vos autem mundi amatores, cum mondo pacem abetis, quia de mundo estis, fructus nostris sunt vestigia Christi. Incibis suis vetant omne genus lactis, et quod in de conficitur, et quidquid ex coitu procreatur. Hoc de conversatione sua nobis opponunt. In sacramentis suis vello setegunt, tamen nobis aperte confessi sunt, quod in mensa sua quotidie cum manducant ad formam Christi et apostolorum, quibum sum et potum in corpus Christi et sanguinem per dominicam orationem consecrant. Ut inde se membra et corpus Christi nutririant. Nos vero dicunt, in sacramentis non tenere veritatem, sed quamdam umbram et hominum traditionem. Confessi sunt etiam manifeste sal praeter aequam, in ignem et spiritum baptisare, et baptisatos esse. Aducentes illud testimonium Ioannis Baptistae, et talem baptismum per impositionem manum debere fieri conati sunt ostendere testimonio Lucae. Et quem libet, sic, inter eos baptisatum dicunt electum, et abere potestatem alios, qui digni fuerin baptisandi, in mensa sua, corpus Christi et sanguinem consecrandi. Prius enim, per manus in positionim de numero eorum. Vos auditores vocant, recipiunt eum inter credentes. Et ciclicebit, cum interesse orationibus eorum, usque dum satis probatum eum faciam electum. De baptismo nostro non curant, nuptias damnant, sed causam abeis investigare non potui.
vel quia eam fateri non audebant, vel potius quia eam ignorabant. Sunt item ali aeretici quidam in terra nostra. Omnino ab istis discordantes, per quorum mutuam discordiam et contentionem utrique nobis sunt delecti. Passons dans une troisième étape aux commentaires. Le texte qui vient d'être lu est extrait d'une lettre adressée à Saint Bernard par le prieur d'une communauté de Prémontré, des environs de Cologne, dans l'Empire germanique. Cette communauté est celle de Steinfeld, fondée entre 1121 et 1135, donc toute récente. Evervin en est l'un des premiers prieurs. Quant à son correspondant, Saint Bernard, mort en 1154, abbé de l'abbaye cistercienne de Clairvaux, aux confins champenois-bourguignon, dans la vallée de l'Aube, il domine de toute sa stature la chrétienté du XIIe siècle. On le consulte de tous côtés. On sollicite son intervention sur tous les fronts des combats spirituels de l'Église. Croisade, choix d'un pape, querelle dogmatique, ici hérésie. La longueur de la lettre de Evervin, son ton pressant, la personnalité du consultant montre combien celui-ci estime grave la situation. Deux groupes d'hérétiques différents se sont formés à Cologne. Les premières interventions du clergé local se sont avérées inefficaces. Evervin, chef du prieuré prémontré de Steinfeld, sollicitant l'intervention de Saint Bernard, décrit longuement la doctrine des rebelles, leur organisation, leur attitude à l'égard de l'Église, vers 1143. Contestation partielle du dogme. L'hérésie n'a rien de nouveau dans l'histoire de l'Église. Sans remonter plus haut, différents mouvements analogues ont inquiété le clergé dès le XIe siècle, à Orléans, en Champagne, en Italie, etc. Mais ils étaient restés épars et limités, et cette rébellion se fait plus grave au XIIe siècle. Les foyers hérétiques se multiplient, se prolongent, s'étendent, gagnent les foules. À la fin du siècle, une bonne partie de la population lui est acquise dans certains cantons. Les circonstances générales favorisent l'émancipation des laïcs, principal trouble de l'hérésie. La mobilité, croisade, migration de gens arrachés à leur milieu traditionnel, la seigneurie, le développement des villes, la formation de nouveaux cadres sociaux, guildes marchandes, groupements d'artisans, communautés villageoises et politiques, les communes, le nombre croissant des pauvres et déracinés, tous ces faits et d'autres entraînent un plus grand désir d'autonomie, rendent plus pénibles certaines suggestions sociales, aiguisent ici l'esprit critique, à l'inquiétude. Ces attitudes ont aussi leurs répercussions sur le plan religieux. Elles entretiennent et aggravent le malaise spirituel. De ce malaise, fondamental dans le succès de l'hérésie, les causes sont nombreuses. Plus mobiles, les fidèles manquent d'encadrement, voyageurs, nouveaux membres de paroisses urbaines, mal organisés. Surtout, où qu'ils soient, ils jugent plus sévèrement le clergé. Il est vrai que la réforme grégorienne a amélioré le niveau moral des clercs, mais la lutte du pape et de l'empereur a, surtout en Allemagne, troublé les consciences. D'autre part, bien des laïcs sont plus exigeants et mieux informés ou plus attentifs, grâce précisément à l'amélioration de l'enseignement entraîné par la réforme. D'où le scandale entraîné par les inévitables faiblesses du clergé, clercs indignes, évêques riches et puissants aux dépens desquels s'établit souvent le gouvernement communal, moines, dont les communautés s'enrichissent constamment. Enfin, une spiritualité propre aux laïcs s'élabore et se répand. Elle privilégie la pauvreté, elle espère un renouveau. Tout ceci entraîne ça et là des crises. On l'a déjà vu pour Milan au milieu du XIe siècle. Voici maintenant l'exemple plus radical de Cologne, 80 ans plus tard. Grande ville marchande, la plus grande d'Allemagne, Cologne est en plein essor. Elle grandit, 1106, construction de nouveaux remparts plus étendus. Un groupe aisé de marchands internationaux s'est constitué qui cherche à s'émanciper politiquement de la tutelle du seigneur local. En 1112,
une union politique des riches patriciens. En 1149, on utilise pour la première fois un sceau communal. Or, le seigneur se trouve être l'archevêque. Autre raison d'hostilité, la médiocrité du titulaire, Arnold Ier, de 1137 à 1151. Le terrain est donc propice à une opposition à l'Église. L'apparition de ces deux hérésies n'est donc pas sans motif. Reste un problème. Dans quelle mesure ces hérésies sont-elles spontanées? Le scandale n'entraîne pas forcément la rupture. Du reste, les hérétiques le disent eux-mêmes, notre croyance vient d'ailleurs, de Grèce. D'un autre côté, l'on a des raisons de douter que les influences orientales aient été sitôt si puissantes en Occident. Les hérétiques peuvent le prétendre pour se donner de l'importance. Hérésie spontanée, hérésie transplantée. Telle est la question autour de laquelle, après avoir analysé les différents éléments de l'hérésie, on organisera le commentaire. Il n'est pas certain a priori que la description de l'hérésie faite ici par Evervin soit entièrement fidèle. Non pas que Evervin ait cherché à modifier la vérité, la situation est suffisamment désolante pour convaincre Saint Bernard, il n'est pas nécessaire de la noircir, et si dans le ton de la lettre perce une grande inquiétude, l'on n'y discerne aucun fanatisme. Le courage des hérétiques impressionne Evervin. Mais le prieur de Steinfeld a pu mal comprendre les explications des hérétiques, assimiler indûment certaines de leurs institutions ou certaines de leurs croyances à des institutions ou des croyances analogues du christianisme orthodoxe. Il est certain enfin que les chefs hérétiques n'ont pas dévoilé tous les articles de leur foi et que cet exposé, qui se fonde sur leurs déclarations, est incomplet. Ces réserves affaiblissent la portée du document, mais elles portent surtout sur des détails qu'on relèvera au passage. Elles ne détruisent pas sa valeur générale qui reste grande puisqu'il s'agit d'un exposé systématique établi sur des témoignages spontanés, non pas sous la torture, par un clerc instruit, attentif et bien au fait des événements locaux. On considérera donc comme suffisamment solides dans leur ensemble les informations transmises à Evervin, par Evervin pour qu'elles puissent servir de base à notre étude. Evervin s'attache d'abord à exposer les grandes lignes du recrutement et de l'organisation des deux hérésies. Les hérétiques constituent des groupes. De la seconde hérésie, on sait peu de choses. Elle refuse tout sacerdoce, apparemment même pour elle. La première apparaît comme une véritable église. Au début, elle manque de stabilité. Mais elle semble à l'époque s'enraciner dans la région de Cologne. Peut-être garde-t-elle le contact avec d'autres villes. Son recrutement est large, il comprend des laïcs, mais aussi des clercs, des moines. L'ensemble reste clandestin, d'où son danger. Les meilleurs chrétiens sont suspects. Elle est structurée. Sa hiérarchie, présentée ici comme proche de la catholique, pape, évêque, est peut-être abusivement assimilée à celle-ci par Evervin. Le certain, elle comporte une hiérarchie d'initiés, auditeurs, croyants, élus. Ces derniers sont des prêtres, prêtres consacrés. Enfin, l'hérésie de la première catégorie a une liturgie, sacrement, repas. Elle manifeste donc une volonté affirmée de séparation. Il ne s'agit pas d'un simple amalgame de mécontents. On note pourtant que sa structure parallèle est en grande partie empruntée à l'Église et à ses proches d'elle, dont catéchumènes, baptisés, prêtres. Qu'elle conserve les sacrements, le pater, ne se pose-t-elle pas simplement en s'opposant à l'Église? Pour les orientations fondamentales de ces hérésies, malgré de sérieuses nuances dans les tailles, elles sont communes à l'une et à l'autre. Un des fondements de leur attitude est d'abord la critique de l'Église. Les apostoliques, dans le cadre de l'hérésie de la première catégorie, lui reprochent sa richesse. Même les moines les meilleurs ignorent la véritable pauvreté. Allusion aux cisterciens, celle du Christ. Il en résulte que l'Église qui se détourne du Christ n'est pas une vraie Église. Il lui reproche aussi son manque de sens scripturaire. L'Église ne s'inspire pas correctement des enseignements évangéliques. Leur conclusion, les sacrements de l'Église sont invalides.
L'hérésie de la deuxième catégorie s'en prend surtout au pouvoir temporel. Ce pouvoir qui détourne du service divin fait perdre à l'Église son pouvoir sacramentel. Cette analyse, analogue à celle de la première, est malgré tout plus poussée, puisqu'en déniant la papauté viciée par le pouvoir temporel, le pouvoir de consacrer, elle disqualifie tous les clercs et aboutit à nier le pouvoir sacerdotal dans son essence, et non seulement dans son exercice, comme les premiers. Les points de vue des deux hérésies divergent donc, mais on constate qu'elles partent toutes deux de l'observation de la réalité, que d'autre part elles n'appuient pas leur critique sur un autre dogme, mais que, la fondant sur l'Écriture même, elles se placent sur le terrain de l'Église. La fidélité à l'Écriture apparaît en effet ici comme l'intuition et le souci essentiel de ces hérésies. L'une et l'autre connaissent l'Écriture. Elles utilisent surtout le Nouveau Testament, mais n'excluent apparemment pas l'Ancien. La première hérésie le cite. La seconde ne l'exclut pas nommément. L'Écriture, pour la première, est l'objet de connaissances rationnelles. On l'examine, on la discute. C'est sur l'Écriture que les apostoliques, dans le cas de la première hérésie, reconstruisent leurs dogmes, en particulier leurs sacrements, baptême et scène. Référence dogmatique, l'Écriture est aussi avant tout un exemple pratique. Elle nourrit leur spiritualité. Ils entendent vivre en conformité avec l'Évangile, en cela ils suivent l'exhortation du Christ, mais aussi et surtout son exemple, comme celui d'une personne vivante. Leur spiritualité fondée sur l'Écriture est donc christocentrique. Pour le même motif, elle est également apostolique. Il faut noter le refus de toute tradition. Et l'explication qu'ils en donnent. L'Église falsifie l'enseignement des apôtres. Et toutes deux insistent, Écriture à l'appui, premièrement sur l'importance de l'expérience des apôtres auxquels s'arrête la révélation. Deuxièmement, sur leur enseignement, le seul valable. Enfin, troisièmement, sur leur modèle, leur exemple. Les hérétiques de la première catégorie entendent mener une vie apostolique, d'où leur nom. Enfin, l'Écriture sert de référence à leur morale. Leurs attitudes morales ne sont pas identiques. Les apostoliques vivent dans la pénitence, détournent certains aliments, pratiquent la pauvreté, condamnent absolument le mariage. Les autres condamnent la pénitence. Malgré ces contradictions, les uns et les autres s'appuient au moins en partie sur l'Écriture. Prêchant la pénitence, les apostoliques opposent constamment leur attitude à celle du monde. À 6 reprises. En ceci, ils s'inspirent manifestement de l'évangile de saint Jean. Chapitre 14. Leur pauvreté, elle leur vient du Christ de l'Évangile. Condamnant le mariage, l'hérésie de la seconde catégorie s'appuie sur Matthieu, Paul, par exemple. Donc, tout d'abord, il s'agit d'hérésies différentes sur le plan dogmatique et moral, probablement nées du refus et d'intuitions diverses. La seconde, par exemple, reflète manifestement le choc dans les consciences des polémiques antipontificales qui ont accompagné la lutte du sacerdoce et de l'Empire. La première représente plutôt les radicaux de la Réforme, ceux que la pseudo-pauvreté cistercienne ne satisfait pas. Deuxièmement, mais chez l'une comme chez l'autre, la référence à l'Évangile est fondamentale. Dogme, spiritualité, morale. Seulement la question se pose, cette référence est-elle unique ? Certains points de leur dogme, de leur morale, n'ont aucun fondement scripturaire. Ainsi, dans l'hérésie de la deuxième catégorie, la condamnation de la pénitence et du culte des saints est celle du mariage. De plus, l'Évangile se prête à de multiples interprétations différentes. Selon quels critères adopter telle version ou telle ponctuation du texte sacré et refuser tel sacrement ? N'est-ce pas à cause de l'exemple d'autres hérésies, en particulier de celle qu'il cite, l'hérésie grecque ? Entre les hérésies que je viens de mentionner et les croyances hérétiques répandues en Grèce,
en particulier les conceptions bogomiles, telles qu'elles apparaissent au début du XIIe siècle, il existe en effet plus d'un point commun. Chez les bogomiles, même anticléricalisme, ils dénoncent la fausseté de l'Église orthodoxe. Comme la deuxième hérésie, ils rejettent le culte des saints, vierges comprises. Chez eux, même importance de l'écriture que les bogomiles utilisent en partie comme nos deux hérésies, privilégiant le Nouveau Testament, ils n'excluent pas l'Ancien. Ils respectent par exemple le personnage de Salomon. Or, dans la deuxième hérésie que nous avons analysée, Salomon est le seul personnage de l'Ancien Testament qui soit cité. Chez les bogomiles, c'est l'Évangile, celui de Jean, qui sert à l'intronisation des chefs. Même attitude à l'égard des sacrements. Les bogomiles les refusent tous, sauf le baptême de l'Esprit. Chez eux aussi, le baptême est à l'origine de l'initiation, qui donne naissance à une double hiérarchie. Catéchumène, baptisé, élu. Leur prière essentielle est le pater, seule prière mentionnée chez nos hérétiques. La morale décrite précédemment évoque également celle de certains bogomiles qui déconseillent le mariage et des aliments comme la viande. Elle vient d'un accouplement. Enfin, vers 1143-1147, quand l'hérésie est démasquée à Cologne à cause de l'agitation des hérétiques, les bogomiles sont particulièrement actifs à Constantinople. Ils sont condamnés en 1143, 1144, 1147. Il faut noter cette concomitance. En définitive, si l'on se réfère à la concomitance de l'agitation à Byzance et à Cologne, en 1143, aux concordances multiples du dogme et de la morale, une contamination est difficilement niable. Ne parlons pourtant pas de filiation directe. Certaines affirmations bogomiles sont absentes des dogmes de Cologne, ou s'y opposent absolument. Premièrement, leur cosmogonie. Tous les bogomiles sont dualistes. Pour eux, la terre est la création de Satan, d'où leur mépris de la chair. Sauf un reflet de cette attitude dans la première hérésie considérée, aucune croyance semblable n'apparaît clairement ici. Deuxièmement, la croix. Tous les bogomiles l'abhorrent. Ni la première hérésie, ni la seconde n'en soufflent mot. Troisièmement, la place de l'Eucharistie. Pour tous les bogomiles, sans valeur. Centrale pour les apostoliques. Si Evervin ne s'est pas mépris sur le sens du pater, récité avant les repas. Quatrièmement, et dernier point, la place du Christ. Pour les bogomiles, subordonnés au Père, un ange. Ici, le maître et le modèle. Pas un mot sur Dieu le Père. Pour conclure, ces deux hérésies, chacune bien caractérisée, l'une a créé une véritable église avec ses rites, ses dogmes, l'autre a moins rigoureusement organisé une protestation plus désordonnée, plus anarchique, semble bien l'une et l'autre être marquées par les hérésies orientales. Mais, tout d'abord, ces influences ne sont pas forcément directes. La deuxième croisade, si importante en la matière, n'a pas encore eu lieu. Des éléments épars et confus en circulent depuis des années, des siècles, en Occident. Et c'est ainsi probablement que les gens de Cologne les connaissent. Rien de cohérent, ni de systématique dans leurs emprunts. Ensuite, ces influences ne sont pas absolument fondamentales. Pour l'une, comme pour l'autre, les deux mobiles essentiels de l'hérésie sont le scandale de l'Église, richesse, puissance, et la découverte personnelle de l'Écriture. Il s'agit encore, à Cologne, de mouvements hérétiques, et non, comme en Orient, et plus tard en Languedoc, de véritables religions nouvelles. Malgré l'intervention de saint Bernard, deux sermons à ce sujet, l'hérésie des apostoliques, sinon l'autre, persiste encore longtemps. Elle est florissante à Cologne, en 1160-1170. Ses adeptes sont fort nombreux et l'église locale continue à s'inquiéter. Ils se font appeler cathares,
première mention de ce mot, 1163, du grec kataros, pur, comme les hérétiques du Midi de la France. Leur dogme apparaît plus clairement. Le diable collabore à la création. Christ ne s'est pas fait homme sur cette terre, etc. Leur dualisme est nettement marqué, ainsi que leur proximité des Bogomiles, mais il s'est écoulé 20 ans, et il est manifeste